Du sport avec le championnat de France de volleyball UNSS qui s'est terminé cet après-midi à Joinville. La seule équipe haut-marnaise était celle du lycée Philippe Lebon de Joinville et elle a terminé 7e sur 12. Côté vainqueur, ce sont les joueurs de l'équipe du lycée Jacques Monod de Nouvelle-Aquitaine qui s'imposent contre celui de Stanislas à Vissembourg de la région Grand Est. Cette finale a eu lieu au complexe sportif intercommunal de Joinville. Une centaine de personnes sont d'ailleurs venues pour l'occasion supporter les deux équipes. Au terme d'un match animé, le lycée des Pyrénées-Atlantiques est venu à bout de son adversaire 25 à 20, 21 à 25, 14 à 10. On écoute à ce propos les joueurs et leur réaction au micro de Julien Warin. Ah, c'est cool, franchement, ouais, c'était un super match. On les avait déjà joués en poule avant et là, quand on les rejoue, on avait une super confrontation. Là, ils ont élevé leur niveau de jeu et on a une super finale, je pense. Du coup, je pense que tout le monde a apprécié et nous encore plus. Donc, c'était excellent, vraiment. Je pense qu'on a su les verrouiller au moment qu'il fallait. On a su augmenter notre niveau de jeu et au final, on a su les verrouiller quand il fallait et mettre le coup d'accélérateur pour qu'on passe devant. Je pense qu'on va aller s'amuser dans les vestiaires, on a rempli les bouteilles d'eau et les coachs là ils vont sortir mouillés, du coup ouais, c'est génial là, vraiment, ouais. On est très content. Toute la compète, on était là, on a joué notre jeu, ça a bien marché et cette fois on a changé, on a essayé plusieurs systèmes. Le premier set était un peu moins bon, mais le match n'est jamais fini et on a joué jusqu'au bout. Le deuxième set c'était juste magnifique et après le tie break on a joué comme on pouvait, mais malheureusement ça n'a pas suffi cette fois, bien finir premier. Après c'est déjà très beau, hein, une deuxième place, il n'y a pas tout le monde qui le fait. On est content, il y avait beaucoup de supporters, c'était très bien à jouer. Et félicitations à l'autre équipe, ils ont très bien joué.